c'est Christian Happy. J'ai 39 ans. Je vis à Cosne-sur-Loire déjà depuis bientôt 3 ans et demi. Je suis entraîneur de basket au club de Cosne depuis 3 ans et demi aussi. Et ça fait depuis 2007, 2006-2007, que je suis bénévole au sein de l'association Halte Discrimination. Donc ça fait déjà un petit moment. Avec l'asso, voilà, je suis les petites mains de l'asso, quand l'asso a besoin, les temps où elle a besoin, quand je peux, bien sûr, je suis présent. C'est vrai que il y a, je crois, l'été 2020, l'asso en a pu monter un projet qui s'appelait Forum Sportif à Cosne-Cours-sur-Loire. Un projet qui a duré une semaine, qui a très bien fonctionné. C'était en fait pendant les grandes vacances. Et c'était un projet qui était dirigé vers les jeunes du quartier Saint-Laurent, qui est un quartier prioritaire, où l'idée était justement d'utiliser le sport comme vecteur et fil conducteur dans toute, j'ai envie de dire, dans tous les thèmes qui sont chers à l'association, la mixité, la diversité, le savoir-vivre, et voilà, impulser en s'appuyant sur du sport, ce qui est un succès, un franc succès. Maintenant, moi, je continue mon activité d'entraîneur de basket au club de Cosne. Et j'ai la chance aujourd'hui que l'association a pu du moins faire un tour qui passe par Nevers. Et comme je suis à la porte d'à côté à Cosne, eh ben oui, forcément, je suis présent et je suis très heureux d'être là. Surtout qu'il y a beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont répondu présent. Et je peux saluer aussi le travail que fait la présidente depuis toutes ces années, parce que chaque fois que je la vois, je dis juste waouh, chaque fois c'est waouh. Et je pense que le meilleur est à venir, sachant que les choses avancent positivement. Nous aussi, on avance, on a plein de projets en perspective, et j'espère qu'on trouvera un autre moyen, on pourra parler de tout ça. Et je suis très content de faire cette petite interview pour le compte de l'association. Ciao, ciao, ciao. Merci.